Aujourd'hui les amis, cette vidéo va être complètement insane. Parce que tout ce que je vais construire dans Minecraft va prendre vie. Donc va devenir complètement réalité. Et vous allez voir que plus la vidéo avance et plus les builds deviennent compliqués, et ben on va obtenir des choses folles. Voilà mon gars, si t'aimes ce genre de vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. On rush les 400 000 avant la fin du mois. Et oublie pas ton like. Une vue, une like comme d'habitude. C'est parti. Hey Shine, tu me suis là, tu vas prendre du bois avec moi s'il te plaît. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais arrête de raconter. Mais je suis en train de prendre du bois mon gars Joe. Tu prends du vrai bois, du bois marron. T'arrêtes de prendre du bois blanc, ok? Mais t'as quoi contre les blancs? Quoi? C'est toi le raciste. Pourquoi tu dis ça? Parce que t'es raciste envers les blancs, tu m'interdis de prendre du blanc. Tu vois, c'est même pas du blanc, c'est du aspas. Ça a vraiment la couleur d'aspas. Ouais, c'est la couleur des blancs mais qui se lave pas. Ça pète et ça rote et ça pue. Et ça boit de l'endgame. Voilà. Très simple. Aujourd'hui, je sais pas si tu sais pourquoi je t'ai ramené dans un monde Minecraft. Oula, je vais me dépêcher à faire ce que j'ai à faire parce que je sens que tu vas m'escroquer toi. Et comment tu veux que je t'escroque? C'est ma table de craft ça par contre, hein. Tu vas me laisser, tu vas tout de suite te calmer hein. Oui bah je peux la prendre, je peux la ramasser. Ah oh, voilà. Chien. Aujourd'hui ça va être insane. En gros, des marabouts m'ont appelé, ils m'ont appelé sur mon 07 et ils m'ont dit attention Lined, tu vas avoir des missions. Mais t'es sérieux Lined? Tu as intérêt de faire ces missions. En gros on va devoir build en termes d'un V1 hein. Et si on fait pas les builds, on est mort. Mais tu sais c'est quoi Lined, le truc le plus fou dans ton histoire? C'est quoi? C'est que t'as un 07. Oh, arrête, arrête, tout le monde a un 07. Le 06, ils sont à l'époque de la guerre eux. Bah vraiment 07 c'est pour les petits enfants quoi. C'est pour ceux qui viennent d'avoir leur téléphone en 6ème. Bah oui, je l'ai en 6ème, mais en 6ème de... d'il y a une certaine époque. Je jouais avec Clash of Clans, t'avais un Samsung Galaxy Pocket. T'as quoi quand les gens comptent des Samsung? Va dire ça se passe, il va t'en mettre une pas deux, hein. Il va t'assommer. Ah ouais. Hein. Je suis désolé, hein, les apps de Samsung, yeah, mais bon. C'est soit vous prenez le téléphone à votre maman, soit vous avez 45 ans. Vous savez quoi, les mecs? Dites en commentaire, vous êtes team quoi? Team Samsung ou iPhone? Perso, je suis quand même team iPhone, mais je respecte les Samsung. Que l'objectif est de tuer l'Underdragon aujourd'hui, hein. Et je te le dis, on va pas manquer oh cette. Et pourquoi t'aimes pas ça? J'ai l'impression que personne ne le tuer. Mais moi, je suis pas speedrunner, moi, je travaille pas chez Matox Industry. Sérieux? Il a vraiment une industrie qui s'appelle comme ça? Bah oui, en gros c'est une industrie là où il séquestre plein de gens pour faire des speedruns. Et il est là en mode... Moi j'avais entendu une rumeur sur Matox. C'est quoi? Comme quoi il avait plein de chinois dans sa cave. Ah et les chinois dans la cave, ils relançaient Minecraft en boucle pour avoir la meilleure seed. La meilleure seed possible. Wesh. Il va mettre un procès si je le dis. Bah tu viens de le dire. Bon en tout cas mon gars, hop là une pioche, c'est parti. Là on fait quand même un genre de Minecraft, mais je te le dis Shawen hein. On va même se faire une épée, c'est quoi ça date tellement. Oh le chien, t'as vraiment un chien de la casse hein. Ça fait deux fois que je fais des tables de craft, ça fait deux fois que tu me les prends. Je m'en fous. Oh mais y'a un golem. Allez viens mon gars. Alors là mon gars, je suis chaud patate hein. Alors là je suis good tonight, on lui met une tarte. Voilà, et là on monte. Et là maintenant on le castagne. Quoi? Et voilà. Ah la technique. La pioche. C'est quoi, t'aimes ma pioche? What? Quoi? On est en créatif. T'es mort la pioche. Alors là mon gars, on se mute, c'est parti, ok? Ok, vas-y. Je vais t'anéantir mon gars. Je vais te détruire. Tu vas rien faire, tu vas rien faire. Alors là mon gars, on va faire une pioche tard les fous. Bon, par contre, on se voit. Déjà, je vais mettre un panneau déjà. Triche pas. Voilà, comme ça, au moins on est tranquille. Eh s'il fait pareil que moi, franchement, moi je vais pas tricher, je vais carrément prendre des bûches de bois. On va faire une genre de pioche en relief. Regardez-moi ça les mecs. Wesh, y a les constructeurs de l'extrême qui viennent de poser des choses là. En plus, y a même pas World Edit sur le serveur. Wesh, c'est ce qui se passe là. Je suis en créatif, donc je vais en profiter pour me prendre un stuff un petit peu cheaté. Voilà, il ne va pas s'en rendre compte, mais voilà, hop, hop, hop. Pas le mettre là comme ça. Hop, on va mettre ça là. Hop, tu triches pas. Wesh, la dinguerie. Il y a eu un mur qui s'est... pop. Ok, incroyable. Faire une pioche, les mecs, c'est assez simple. On prend des petits blocs de bois, des petits blocs de poire. Oh, on va faire la pioche du Nether, la pioche trop stylée du Nether. Voilà. Là, je vais vous préparer une pioche, mais quand je vous dis une pioche du Seigneur, c'est une pioche magnifique. Regardez-moi ça. Elle va partir un petit peu en relief. Oh lolo. On va prendre des blocs déjà. Il nous faut des petits blocs. Et on va prendre des blocs d'émeraude ainsi que de diamants. Voilà. Et là, on va faire comme ça. Il y aura un petit bout un petit peu en émeraude. Ça va être, on va dire, l'espèce de rubis du milieu. Bon, c'est pas du rubis du coup, mais vous avez capté. L'espèce de pierre précieuse. Et là, sur les côtés, regardez-moi ça. On va y faire comme si c'était une pioche. Oh là là, si je gagne pas, je comprends plus rien. Et l'objectif, c'est de la mettre un petit peu en relief. Si je ne gagne pas contre ce gueux de Shawen, je casse mon chapeau. Hein. Oh là là. Là maintenant, on y met un petit peu de détails. Et là, on va le pulvériser. Hein. Et là, tellement on est cool, regardez-moi ça. On y met un genre de ruban. Comme la Wii Connect. Je sais pas si vous avez déjà joué à ça. On met ça comme ça, voilà. Ça a aucune gueule ce que je fais. Ok, bon, c'est pas grave. On va prendre ça et on va faire ça. Voilà, voilà, comme ça c'est parfait. Vous inquiétez pas, les mecs. À la fin, on va rajouter un peu de relief. 20 secondes. Mais c'est hyper court. Voilà, c'est pour entourer le poignet. Comment? Ah, j'aime bien ce que je viens de faire là. Hein. Oh, que j'aime bien. On a simplement à y mettre des petits détails. Oh, je sais quoi faire. Regardez-moi ça, les mecs. Oulala. On fait simplement ceci. Et voilà, ma pioche est terminée. On va y mettre des petits détails. Voilà, et c'est bon. Voilà, là, je peux clear ce que j'ai eu et on est tout bon. On va repartir de A à Z. Hop, je rajoute un peu de bois, un peu de relief. Vite. 3, 2, 1. Bah la mienne est quand même plus jolie hein. Bon je me demande bien ce qu'il a fait là. Oh l'horreur. Oh c'est moche. C'est moche. Oh mais je l'ai pulvérisé. C'est quoi ton truc là? J'ai pas compris ce que ça veut dire c'est moche. Mais je vois pas le rapport avec les chinois en fait. Quoi? Tu me dis c'est noche. Oh.
Sale sarrasin, va. Cache-toi. Pour la peine, c'est moi qui a gagné parce que t'es raciste. Mais j'ai dit c'est moche, pas noache. Non. Yes. Mais attends, mais au pire, tu gagnes quoi à faire ça en fait, au final? Mais mon gars, c'est très simple. En fait, quand tu construis la bonne pioche, tu vas. Oh, let's go, let's go, let's go, let's go. Oh. Quoi, t'as rien eu? Bah non, j'ai rien eu. Ah. Ah, wesh. Ça t'embouche à quoi, mon gars, ça, hein? Bah d'accord, mais ça va nous servir à quoi, ce truc, là? Mon gars, on doit de base tuer le dragon, donc ça va forcément nous servir à quelque chose. Oula, on va nous remettre en survie, là. Non, 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 Lynette, ne pense pas faire ce que tu penses faire. Oh, oh non, mais non. Attends, si je mine. What? Oh, stylé, mais il est où, le village? Pardon, la vie d'ailleurs, pardon. Oh, le mec, pas drôle. Mais ça, ça, rien, ça veut dire qu'elle est trop forte. Ah non, mais c'est vraiment... Ah ouais, 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 elle est grave forte, ouais, ouais, ouais. Après, ça veut dire... Ouais, ouais, elle est plutôt forte. Non, non, ouais. Ouais, ouais, elle est plutôt forte, ouais. T'as triché. C'est quoi? D'accord. Chaque tricheur, hop là. Quoi? Je suis tout nu. Mais il fallait pas tricher, hein. Attends, salut. Mais je suis tout nu. What? Hein? On se retrouve là où on pioche. Est. C'est PVP swap ou quoi là? Mais pourquoi elle fait rien à la pioche? Mais c'est pas mon problème, elle fait 5 de dégâts déjà, oh. C'est déjà pas mal. Ouais. Oh, yo, 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 y'a revenant. Tu veux quoi toi là? C'est pas grave, je m'en occupe. Oh, il est cabossé, il a fait des UV. Voilà. Mais on va le faire au moins. Mais ça va. Non mais je vais péter mon crâne, c'est pas possible. Mon gars, mais elle sert à quoi là? Attends, mais je dois faire quoi? Je comprends pas. Regarde, en plus tu veux voir un tour de magie quand t'as la pioche? Vas-y. Mettez-nous Night Vision maintenant. Voilà, t'as vu le ciel? On est d'accord que là j'ai une pioche qui est en diamant incroyable. La pioche elle est insane, ouais. Et bah boum. Ouais, mais je me viens juste de me faire exploser par un creeper, je vois pas le rapport. Allez mon gars, regarde, regarde, regarde comment c'est stylé. On est comme sur Palladium. Bien mon gars, il faut qu'on sécurise. Là tu te fais un petit stuff cousu humain. Et oh. Si t'es quelqu'un de gentil, tu me fais aussi un stuff parce que je suis en train de miner pour toi quand même. Bah je veux du bois et je te fais le stuff. Pas de soucis, tiens. Oui bon, je veux bien du bois de boulot s'il te plaît. Et je te parle pas du... Bon tiens. Tu me gênes. Tu m'as vraiment donné deux sticks, faut aller se faire enculer. Mais j'ai rien d'autre. Mais t'auras pas de stuff, je m'en fous. Je m'en fous d'avoir un stuff, j'ai déjà un stuff. Ah, bouclier. Alors là. Oh, oula. Enlevez-moi ce zombie devant moi. C'est parti. Vas-y, bonne chance. Bouclier. What? Mais il y a vraiment des murs qui se construisent. On est Donald Trump quoi. Quand je vous dis que je vous prépare un bouclier, mais un bouclier de folie. Alors là, vous voyez le bouclier, vous vous dites ah ouais, c'est pas de la camelote quoi. Donc là, on fait simplement ça sur les côtés. Je vais pas non plus m'embêter. L'objectif c'est de remplir de bois de chêne en plein milieu. Ah oui, 2 minutes quand même, hein. C'est du rapide, hein. Y'a pas le temps de s'amuser avec eux, hein. Ok, les mecs, alors là, cette fois, ce bouclier, il est à moi. Vous voyez là, mes mains plein de merde. Il faut que je me protège. Donc, c'est simple. On va faire un bouclier. On va le faire comme ça. On va faire un bouclier un peu comme ça. On va essayer de faire un bail assez rapide, comme ça. Ça, les mecs, ça va être plutôt cousu humain, si je puis me permettre. Je suis quelqu'un d'historique. Répétez-le après moi. Mais levez les mains en l'air devant votre écran. C'est historique ce qui va se passer. Meilleur que lui, les mecs. Comme je l'ai toujours été, en fait, finalement. En fait, Shawan est tellement une catastrophe ambulante que j'ai peur de tout gagner face à cet homme. Et là, regardez-moi ça. Tellement c'est un bouclier incroyable, on le tient via de la bedrock. C'est la bedrock qui me sert à tenir le bouclier. Regardez-moi ça. Oh, il est beau le ciel. Maintenant, quand je pourrais l'améliorer là? Je voulais mettre genre de stalagmite, stalactite, je sais pas comment on appelle ça. On va mettre ça pour les pics, hein. Voilà, on va faire ça comme ça. On va dire que ça c'est censé faire mal. Et là, pour que ça soit bien, bien, bien stylé, on refait simplement un truc comme ça en hauteur. Et voilà. Ah, il est pas mal, hein. On sent qu'il pique, hein. Oh, et vu qu'on pense au réalisme, on y fait des traces de sang aussi. Voilà. Si je ne gagne pas, si je n'ai pas le bouclier légendaire, je ne comprends plus rien. Ok, alors là, les mecs. Va falloir être rapide, hein. Va vraiment falloir être rapide, plus efficace. Les mecs, je vous jure que le temps est horrible. C'est impossible de faire un bon truc. C'est le bouclier de l'amour, les mecs. Le bouclier de l'amour. En tout cas, on peut mettre des bougies comme ça, là. Et on va carrément les allumer tellement on est des chic types. C'est quoi cette horreur? C'est quoi cette horreur? Je vous présente le bouclier de l'amour. Mais moi, il est mieux. Mais toi, c'est un plastron. Toi, c'est un cadre. En fait, vraiment, t'as voulu refaire ça. T'es prêt? T'as voulu faire tac et tac. Non, Lynet, c'est le bouclier de l'amour. Mais moi, il est bien mieux. Regarde, il y a du sang. Donc moi, c'est le bouquet de la mort. Regarde-moi ça. Des matériaux rares, hein. Mais moi aussi, j'ai ça derrière, hein. Ah. Oh, mais non. J'en ai marre. C'est pas possible. J'ai aucun build. Ah, oh, vraiment. Bah, apprends à build. Bon, ça, apprends à build. Excuse-moi, je fais pas 36 build battle par jour. Et toi? Oh. D'accord, super. Je me suis téléporté dans la jungle. Oh non, j'ai reset mon pain. Tu peux me donner du pain, s'il te plaît? Non. Ah. Moi j'ai pas de pain moi aussi. Pense à moi un peu ou moi je vais aller me faire foutre. Ah bah voilà, hein. Pas possible. T'en penses quoi de ce que j'ai dans la main là? J'ai rien à faire de ce que t'as. Wow, doucement par contre tu vas te calmer. Allez danse. Par contre t'as hop là. Arrête, si je veux vraiment te viser je te vise, donc arrête. Bah non. Regarde moi ça. Vas-y hop. Allez petit flop. Allez. C'est Neymar JR là. Moi tu me saoules. Te faire foutre. Let's go.
Arrête. Ça fait beaucoup de dégâts. Bah oui, ça fait mal. Est-ce que tu connais le bug des Mayas? Mais je sais qu'ils ont annoncé la fin du monde en 2012, mais... Ouais, et j'avais sacrément peur quand j'étais petit, hein. En gros, c'est simple, regarde-moi ça. Le bug des Mayas, il est simple. En fait, il crée un portail temporel. En gros, tu fais simplement ça et ça va te créer un genre de portail du Nether. En gros, tu remplaces comme ça, hop là, voilà. Okay, ouais, je t'explique, c'est simple, comme ça. Après, tu prends ton briquet que t'allumes. Et là, logiquement, tu attends. Regarde, il rentre pour le rite. Et là, ça va se remplacer en bedrock. Enfin, plutôt en obsidiane. Bon, super cool. Ça s'est marché là, non? Bah oui, voilà. Oh. Et là, on peut y aller. Et là, maintenant, on a simplement à chercher une forteresse maintenant. Bah oui, on a simplement à se baigner dans la lave. Ah, c'est bon, la blague pas drôle, c'est bon, la blague, c'est sûr. Tu connais pas la meilleure Shawen aussi? C'est quoi? Mais on est d'accord que c'est ultra chiant de farmer les blazes. Non. Et, oh, t'es censé dire oui quand même, hein. Tu les farmes jamais de façon légitime. Oh, legit, hein. Oui, bon, c'est bon, oui. C'est vrai que c'est plutôt relou. Voilà, et logiquement, j'ai simplement avancé et on aura des choses plutôt stylées. Voilà. Et oui, c'est pas complexe la vie. Mais c'est magistral. Et là maintenant, on a simplement des œils pour aller dans l'Ender et on peut bouger de pays. Ah, what? Animal de compagnie. Oh, je vais encore t'exploser, ça me fait chier. Bah, animal de compagnie, quoi de mieux que prendre simplement du bleu? On prend du beige ainsi que du blanc et on y fait ce bon vieux Shawen. Voilà, on le fait sur des petites pattes, on lui fait un genre de costume à la Aladdin parce que c'est pas Todd. Je refuse de croire que c'est Todd. On va pas s'embêter, de toute façon, je suis tellement meilleur que lui, je gagne tous mes builds, je les gagne, tous mes builds, je les remporte, bordel. À quoi bon tryhard? Mais quand je vous dis que là, les mecs, c'est historique, c'est que c'est vraiment historique. Là, c'est vraiment incroyable, je sais exactement quoi faire. On va dessiner un espèce de petit, ça va être un espèce de petit chat très très mignon, très très adorable. Là, les mecs, c'est vraiment, mon chat, il va être mignon, mais vite fait, quoi. Regardez-moi ça, j'ai simplement à prendre du noir. Là, on fait son crâne et on reconnaît déjà Todd en fait. J'espère qu'il va juste pas tricher par contre, hein. On lui met simplement une tête un petit peu en relief et tout est bon. Et là, pour soit stylé, hop là, on prend des barrières, on prend des laisses, oula, une minute. Tac et tac. Et voilà. Voilà, comme ça, c'est ergonomique, c'est stylé. Oh, mais non, mais les mecs, je vous jure qu'on a aucun temps. On a vraiment aucun temps, c'est horrible. J'ai envie de manifester là, j'ai envie de faire les gilets jaunes. Et on va lui mettre un petit collier, voilà, et on va l'appeler Grisouille. Voilà, j'ai fait mon animal de compagnie. Maintenant, je peux clear ce que je veux plus et voilà. Maintenant, j'attends, c'est fini. Tout sauf un animal de compagnie, le tien. Bah si. Vraiment, le tien est vraiment nul. Donc le mien est incroyable, c'est un petit chaton très mignon. J'ai fait Shawen, mais regarde. Avec un petit chien. L'animal de compagnie est derrière. Mignon, une petite tache. L'animal de compagnie est derrière. T'avais pas vu, hein? Attends, bouge un coin, hein. Nul. Bah en gros, je voulais faire que ça soit toi et t'es tenu en laisse. Donc là, c'est ton cochon qui est en train de te... Oh non. Oh là, bah le petit flop de la part de Lined. C'est parti, ok. Oh bah ça va. Tu dis quoi? Oh bah ça va. Hein? Ah bah ça a brûlé. Ok. Oh, ça va. Oh oui, t'inquiète pas que je l'ai eu, mon gars. Non. Oh t'inquiète pas que je l'ai eu. Et là c'est plutôt sus. Je commence à mon ref. What? Attends, je suis encore en créatif là. Il m'attaquera pas. Envoie la chair que t'as eu. Tapez la cible. Quoi t'as plein de... Des coudes là, on est censé avoir du dog tag. Let's go. Après bon, c'est des nains quoi. Arrête. Let's go. Attends, fais un test. Va taper le village derrière. Oh ils arrivent. Oh ils débarquent. Ils sont en train de démonter. Mais fais en spawn plein. Voilà, dose pas. Truc là. Arrête. Let's go. Suze, je commence à mon ref. Suze. Logiquement, il nous reste encore un build à faire et on va pouvoir aller tabasser le dragon. Donc c'est pour ça que là, avant qu'on build, il faut que tu trouves un moyen d'invoquer un portail et qu'on puisse y mettre nos yeux de l'Ender. Enfin, écoute, je vais aller dans la bibliothèque et je vais voir si j'ai pas des livres intéressants pour faire spawn l'Ender. De toute façon, tu sais pas lire, donc ça risque pas d'aller très très loin. J'ai en effet une formule. Arrête. Non mais je m'en fais exprès, c'est bon. Mais vous voulez pas arrêter là, les enfants? Ah oui, ça le fait pour toi, je le vois. Oh, on y va pas maintenant. C'est historique, mais... bah vas-y. C'est chiant. T'aimes 4 armures? Or là. Ok, alors là, ça va être une armure. Alors là, laisse tomber. Alors là, t'es mort. Là, t'es dead. Mais oublie pas, là, Ditoc, tout va départager. Hein. Alors là, les mecs, je sais quoi faire. On prend des laines, on va les mettre de toutes les couleurs. L'objectif, c'est d'avoir quelque chose de rainbow. Voilà, on prend toutes ces couleurs là et c'est bon. Et là, l'objectif, c'est d'y faire un petit bonhomme avec plusieurs petites couleurs. Donc là, on y fait ses petites jambes. On va y mettre des couleurs un petit peu comme celle-ci là. C'est vraiment un truc légendaire. Bon, j'ai l'impression que je vais faire Bozo le clown, mais bon. En fait, il faut déjà que je fasse, on va dire, la base du build. La base. La real base. Alors, toi, je vais t'appeler comment, toi? Toi, je vais t'appeler Speed... Oh, non, mais je savais pas qu'ils étaient cannibales. Mais vraiment, ils sont horribles. Vous savez quoi, les mecs? Une armure. Comment est-ce que je peux build une armure? Je vais build une armure comme ça. Une armure en améthyste. Non, mais les mecs, dégagez! Ils veulent pas dégager, là? Je crois que ça va vraiment être la pire armure de France, hein, vraiment. Ça va être un t-shirt en améthyste. Alors là, les mecs, je vais défoncer Lined. Lined est mort, hein. Là, les mecs, là, il est mort. Bang. On va mettre un peu de... Je sais pas, on va mettre un peu de ça. Bon, je sais pas si c'est vraiment bien ce que je vais faire, mais voilà, quoi. Non, franchement, c'est une bonne armure. C'est une très très bonne armure. Il faut que je fasse comme un Power Ranger. Un petit peu de trucs comme ça là. Un petit peu symétrique, un petit peu cocooning, un petit peu stylé. Pour rappeler le côté vert. Voilà, hop là et hop là. Là c'est digne de Bozo le clown là. Alors là t'as envie d'y rentrer carrément. Carrément, regardez-moi ça, un jetpack. Un jetpack
derrière. Avec, regardez-moi ça. Une minute. Oula, oula, c'est rendu rapide aujourd'hui, là. Regardez-moi ça. On va dire que là, il y a une genre de ceinture. Et dans cette ceinture, regarde-moi ça. Il y a des cadres. Et là, il y a carrément des couteaux. Et là, regardez-moi ça. Oh, l'armure. On dirait carrément un couteau suisse. Mais non, mais on n'est pas chez Krusty le clown, là. Mais regarde-moi ça. Il y a carrément c'est quoi, des cette épées. Armure catastrophique. Mais elle est incroyable. Toi, c'est une armure. Mais c'est ça. Littéralement une catastrophe. Genre, t'as fait une catastrophe. Mais c'est une armure pour toi, ça. On dirait un signe astrologique. Mais c'est pas un signe astrologique, c'est une armure. Ah. Non, mais c'est bon. Vous voulez me ruiner. Au bout d'un moment, je suis obligé. Je vais devoir les. Oh. Attends, mais comment ça, t'as fait une armure multicolore et il y a des trucs multicolores? Mais parce que ça paraît Rainbow. Oh, ça scintille. Ah, ça fait mal aux. Ah, ça fait mal aux yeux. Oh, oh. Non. Non, 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 non. Oh non, pas mes suges. C'est pas grave, je vais sauter. Logiquement, je l'aurai encore. En plus, il y a de l'eau, nickel. Mais je vais te calmer, toi. Tais-toi. Bon, Lined, tu sais ce qu'on va faire. Ouah. Non, mais non, mais non, mais non, non, mais arrête. Oh, mais j'ai deux épées arc-en-ciel. Eh, je te la donne, je fais pas de bêtises. J'ai une armée de suges, j'en ai rien à foutre de ton épée. On fait un truc, on tente de voir si on peut tuer le dragon, ok. Est-ce que tu penses qu'on one shot? Dites en commentaire si vous pensez qu'on one shot le dragon. Oula, je pense pas qu'on one shot, mais je pense que je vais allez, tout démonter. C'est parti. Bon, est-ce que tu penses que déjà un souffle dragon comme ceci. Non, mais arrête. Pas le one shot. Je pense pas, je pense vraiment pas. Ou alors un coup comme celui-ci. Non, moi je pense autre chose. Et ça va pas loin, bordel. Non, mais arrête, mais t'es pas drôle. Mais t'es vraiment un égoïste. Mais tu sais quoi, tu vas tuer le dragon tout seul. Voilà. Ah. Oh, il arrive, ok. Oula, oula. C'est ce qu'on appelle la pulvérisation, Shawen. N'oublie pas de t'abonner. Oh, yeah. Et de liker, sinon ça va chier. Oui, ça va chier. Abonnez pas abonné.